J'étais très honoré, très content de recevoir M. Robert à mon bureau ici, à Réduit, et accompagné de Son Excellence l'ambassadeur Emmanuel Coué. Et on a parlé naturellement de nos liens très étroits. Et on est des ulcères, on partage beaucoup, on a beaucoup en commun. Et on a surtout parlé des créneaux novatrices comme nos ressources naturelles et génétiques qu'on peut exploiter, qu'on peut protéger. Okay. Et aussi, on a parlé de la possibilité de faire des tournois de foot inter-îles annuels. Et nous avons, je crois, pour aujourd'hui et pour l'avenir, la responsabilité de continuer à travailler ensemble sur un certain nombre de thématiques. Et nous avons en particulier aujourd'hui évoqué le sujet de la biodiversité. Donc nous avons tous en commun, je pense, la volonté de préserver aujourd'hui notre environnement, de pouvoir faire en sorte que nos enfants, demain, nos petits-enfants, puissent bénéficier d'un cadre de vie qui soit aussi agréable que celui que nous a été transmis par nos parents. Et donc sur la question de la biodiversité, de la protection de la biodiversité, je crois qu'il y a donc la volonté partagée aujourd'hui, en tout cas exprimée, donc avec le président de la République, de construire une agence à l'échelle de l'océan Indien, dont l'île Maurice pourrait prendre effectivement le lead donc, dans un premier temps et accompagner cette démarche avec les amis de Madagascar, des Seychelles, des Comores et de la Réunion, bien sûr. Et encore une fois, de bien fixer donc, ces sujets liés à la biodiversité donc, comme étant un axe de coopération très large entre nos îles.